Au début, quand je faisais des ateliers de produits naturels ou même des ateliers de cuisine aux algues, je pensais que je ne faisais que apprendre aux gens la cuisine aux algues ou à faire sa lessive ou, ou son dentifrice ou ses produits maison. Mais en fait, plus le temps est passé, plus je me suis rendu compte que je faisais pas que ça, que je faisais bien plus que ça. En fait, je me suis rendu compte que. Quand on faisait soi-même ses produits, quand on cuisinait soi-même ses algues, bretonne bien sûr, eh bien, on devenait plus libre. Parce que apprendre, c'est devenir plus libre. Et la personne qui nous a appris ça, la voilà, c'est Rosa Parks. Rosa Parks, elle nous a appris qu'on pouvait agir pour changer le monde. Elle a refusé de céder sa place à un blanc dans un bus. Et en faisant ça, elle a créé le mouvement des droits civiques, avec un geste. Et bien voilà, c'est ça que nous devons faire aujourd'hui. Nous devons apprendre à changer le monde en agissant. Nous avons le pouvoir au creux de nos mains. Nous avons le pouvoir d'acheter. Nous avons le pouvoir de ne pas acheter. Nous avons le pouvoir de faire changer les choses. Alors ce pouvoir... Il faut évidemment l'exercer. On va l'exercer dans différents domaines de la vie. Ce qui est important, c'est la vie quotidienne. La vie quotidienne, elle passe par des produits comme la lessive, comme les produits ménagers. Ça passe aussi par l'alimentation manger moins, manger mieux, moins de viande, moins de souffrance animale, moins de pesticides. Plus de produits naturels, moins de plastique, moins de rejets. Puis, on peut aussi apprendre à fabriquer des moteurs, les moteurs à eau, les moteurs à huile, les moteurs à hydrogène. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de banderoles, ni de manifester, ni de faire signer des pétitions pour changer le monde. On a plutôt besoin d'agir et on sera du côté des... Faiseux et pas du côté des causeux. On est quand même dans un monde où il y a beaucoup de causeux. Eh bien, c'est à nous de devenir des faiseux, agissons. Et pour ça, on doit redécouvrir un produit qu'on connaît tous, on l'a tous sur nous. Il est économique, écologique. Le voilà c'est l'huile de coude. On doit apprendre à fabriquer les choses, à les faire, parce que apprendre à faire, c'est devenir plus libre. C'est cette liberté que nous devons redécouvrir. Et la deuxième chose que nous devons apprendre, c'est à changer notre mental. Parce que quand on fait des produits, ce n'est pas exactement comme ceux qu'on achète. Cette lessive fonctionne très bien. Elle a été testée dans un laboratoire indépendant. du Finistère. Elle a les mêmes résultats qu'une lessive du commerce. Elle coûte 12 centimes d'euros, elle est faite avec uniquement des produits naturels, elle fonctionne extrêmement bien. Et voilà. Pour certaines personnes, elle ne mousse pas. Elle mousse pas assez. Et nous, en Occident, on aime la mousse. La mousse, c'est quoi La mousse ça lave pas. Hein la mousse, ce sont des bulles qui sont frappées du complexe dicar. Elle monte plus près de toi, mon Dieu, mais les, bousses, les, 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 les mousses et les bulles, c'est quoi C'est de l'air avec de la graisse autour. Nous, on aime l'air avec de la graisse autour. C'est ça qu'on aime. Bon. Quand elles arrivent, quand elles montent comme ça, plus près de toi, mon Dieu, un... l'ego est gonflé, bien entendu. Et à un moment donné, les lois de la physique vont s'appliquer elles sont impitoyables, les lois de la physique. La pression extérieure va devenir plus forte. La pression intérieure, paf, chaque bulle va éclater. Pourquoi je vous raconte ça Parce que la pression extérieure, c'est nous, c'est nous qui pouvons faire changer le monde, la pression qu'on peut exercer. Et c'est de cette façon qu'on va passer de la liberté à l'égalité. Aujourd'hui, on n'est pas dans une société à égalité, on est sur le pont, nous, sur le pont d'un navire, on ne sait même pas où il va ce navire, on n'est pas aux commandes. On est sur le pont et puis on joue, on est au jeu du tir à la corde là, on essaye, on résiste, on râle, on s'indigne. Mais toute notre énergie passe dans l'indignation. Et si on lâche la corde, les lois de la physique vont s'appliquer, elles sont impitoyables. En face, patatras. Et nous, on reste debout sur le pont. Voilà comment on va réussir à faire changer le monde, en agissant et en lâchant la corde. Ça, c'est bien pour une égalité sociétale. Maintenant, l'égalité, elle se gagne tous les jours à la maison. J'aurais pu la faire avec de l'argile de l'argile rouge ou de l'argile rose plutôt. Ça aurait été stupide. Le rose, depuis quelques années, depuis plusieurs années, on repeint les petites filles en rose, je ne sais pas pourquoi. La lessive n'est pas réservée aux femmes. Les femmes ne sont pas des domestiques. Les femmes ne sont pas des secrétaires. Les femmes ne sont pas au service des messieurs. Égalité, c'est tous les jours que ça se conquiert. Et on est loin du compte, on est loin du compte, on est loin du compte. On a plus de facilité à dénoncer le monde. Changer ses propres pratiques. Regardez les nouveaux agriculteurs, les nouveaux paysans, ils nous font des discours, c'est magnifique. Les discours qu'ils font sur le sol. On équilibre le sol, on sait l'équilibrer. Mais sait-on équilibrer le travail à la maison C'est une autre paire de manches. Il y a quelqu'un qui, malheureusement, est un bon exemple c'est Morgan Spurlock. Morgan Spurlock, c'est le réalisateur de ce documentaire que vous avez peut-être vu documentaire sur la malbouffe, il a été beaucoup plus prompt à dénoncer la malbouffe, à changer ses propres pratiques. Morgan Spurlock a présenté ses excuses aux femmes qu'il a harcelées sexuellement pendant des années. Il a dit je fais partie du problème. Il a raison, il fait partie du problème. Mais on fait tous partie du problème, tous. Pourquoi parce qu'on se tait. On dit rien. On est frappé par le syndrome de l'administration française, pas de vague, disons-nous. Le silence profite toujours au bourreau. Dans les familles, quand un enfant, un ado, subit des violences sexuelles, s'il parle, neuf fois sur 10, il est exclu du foyer. Un chiffre comme moi, c'est une catastrophe, un viol toutes les 7 minutes en France. Une femme sur trois se déclare harcelée au travail. Ça se passe ici, autour de nous, chez nous. On connaît les victimes, ou pire, on ne les connaît pas. Soyons du côté des victimes et pas du côté des bourreaux. C'est les victimes qu'il faut protéger. Les victimes, c'est malheureusement les enfants d'abord. Alors, il faut changer ça. Évidemment, il faut communiquer, il faut parler, il faut faire parler les enfants les jeunes, les ados. Il faut écouter. Il faut aller voir la personne qui est en arrêt maladie. Il faut peut-être aller lui poser des questions. Il faut peut-être être plus proche des gens. C'est important. Et puis, on changera le monde aussi par l'éducation. La lessive n'est pas réservée aux filles. Les filles peuvent aussi apprendre des beaux métiers, les exercer. Les garçons peuvent aussi s'investir dans la vie domestique. C'est par l'éducation que les choses changeront et c'est l'affaire de tous. Et en acquérant plus d'égalité, on pourra arriver à la fraternité ou à la sororité. Nous avons une devise. Au milieu de cette devise coule l'égalité. Il n'y a pas de fraternité sans égalité, il n'y a pas de liberté sans égalité. Alors la fraternité, c'est magnifique, c'est un beau mot, c'est un mot qu'on pourrait rapprocher de l'humanisme. La fraternité, c'est choisir d'être plutôt que d'avoir. On est dans un monde trop matérialiste, vous le savez. Pour le changer, il faut choisir d'être plutôt que d'avoir. Et la personne qui nous a montré ça, qui a été un exemple, un exemple que j'admire toujours encore aujourd'hui, c'est Nicolas Tesla. Nicolas Tesla sera un génial inventeur. Il a inventé l'énergie libre, gratuite, pour tous, sur toute la planète. Depuis 150 ans, ça existe. Bon, il a vécu en même temps qu'Edison, malheureusement pour lui. Nicolas Tesla, Marie Curie, comme René Quinton, sont des humanistes qui ont choisi d'être plutôt que d'avoir. Faisant ça, il nous montre qu'on doit laisser notre ego de côté, que notre ego ne doit pas être comme ces bulles. Ils vont de toute façon éclater un jour doit être plutôt qu'avoir. Alors comment on fait dans la vie de tous les jours, chacun chez soi, quels actes peut-on faire concrètement Eh bien on continue. Ce qu'on fait ici et là, c'est-à-dire des associations comme ici, puis les journées de la gratuité, c'est magnifique, puis réparer avec trois vélos en faire un, et puis construire des meubles en... En palette par exemple et puis s'échanger des savoirs et puis créer des monnaies locales tout ça ça existe, c'est merveilleux faut continuer, faut continuer les fab labs, faut se mettre autour des voitures et des moteurs et, et construire des moteurs à eau. c'est important aujourd'hui puis euh, découvrir les éoliennes les éoliennes plutôt plutôt horizontales faut qu'on s'y mette tous, faut qu'on continue et en faisant ça, on va pas perdre du temps, on va en gagner. On ira moins dans les grandes surfaces, on prendra moins notre voiture, on dépensera autrement, et puis on aura plus de convivialité, plus de solidarité, plus de fraternité. Puis euh, en faisant ça, on va gagner du temps. Et en gagnant du temps, on va mettre ce temps, il faudrait mettre ce temps, au service de la nature. Parce que c'est là d'où on vient. Parce qu'on est plus des poussières que des étoiles. Parce qu'on doit retrouver l'humilité, et l'humilité a la même racine que l'humus. C'est ça qu'on doit retrouver. Il doit être capable de s'émerveiller devant un flocon de neige, devant les nuages qui passent, qui se font et qui se défont, devant une rose qui éclos, devant les feuilles d'arbres qui tombent, avec ces belles couleurs mordorées qu'on leur connaît. Il doit être capable de... De s'émerveiller devant l'odeur du gazon, l'odeur de la terre après la pluie. C'est tout ça qui va nous aider à retrouver ce lien sacré avec la nature qui nous fait défaut aujourd'hui. Alors, pour terminer, je dois vous raconter pourquoi j'ai appelé cette chronique Révolution quotidienne. Figurez-vous que j'étais je... devant un documentaire il y a quelques temps, chez moi. Et ce documentaire expliquait qu'un homme souhaitait créer son mouvement en utilisant ses initiales. Je me suis dit, waouh Si je devais faire pareil, mes initiales, je suis mal partie. RQ. faut les porter. Alors, les premiers mots qui me sont venus, c'est euh, ravioli quiche. Oh, je me suis dit, hein. je ne vais pas faire ça, ça ne me ressemble pas ravioli -quiche". Et en fait, le mot révolution est arrivé très vite. Et après, le mot quotidienne est arrivé en regardant la lessive, tout simplement. Je vous remercie de votre attention.